c'est Monaro. Et c'est une illustration que j'avais réalisée pour la journée de la langue française. Et du coup, depuis 2006, et j'ai voulu en faire un personnage qui incarnerait un peu l'enfance africaine, mais particulièrement congolais. C'est la Morassia. Ce sont mes toutes premières planches, disons professionnelles, qui ont été publiées dans Bongi BD, la revue des auteurs du Congo Brazzaville, qui s'est arrêtée juste à une seule publication, une seule édition. Et là, c'est une illustration que j'avais faite pour, disons, le discours du président de la République sur, à propos des enseignants. Et voilà. Les planches qui ont été publiées dans Chronique de Brazzaville. Je vais les retrouver. Et voilà. Là, ça devient une réalité. Et voilà le petit Mayangi. C'est un projet de BD. J'avais même commencé à faire une couverture. Mais heureusement pour moi, les planches ont été publiées dans Amazon, la bande dessinée au féminin. Voilà. Donc, c'était une commande. J'ai réalisé deux planches qui ont été publiées ici sur la sensibilisation à la santé de la reproduction. Donc, Brasso à Brasa, c'était un projet de bande dessinée pour l'école française Saint-Exupéry de Brazzaville. Et là encore, c'était quelque chose de fort parce que je devais dessiner le proviseur du lycée français qui repartait en France, et quelques professeurs m'avaient donné des scénarios que j'ai dessinés. Et voilà le petit Marie qui essaie un peu de changer par rapport aux premières planches. Là, il est loin d'être ce qu'il est devenu. Ça, c'est une planche que j'ai réalisée pour par une association. Bon, c'est vrai que le projet n'est pas encore fini avec eux, mais ils m'avaient juste demandé de dessiner, et les bulles et le scénario, c'était à eux de le faire.